Maître Justin Magala, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Monsieur Kibambi. Eh oui, l'impression que nous donnons, effectivement, je ne sais même pas si c'est même l'impression ou si ce n'est pas la réalité, c'est que l'Afrique refuse de se développer, le Congo faisant partie de l'Afrique. Par définition, le Congo aussi refuse de se développer. Et en parlant de notre pays, nous avons pourtant tout pour nous développer. Et pourquoi ça n'arrive pas? Parce que c'est la faute de l'homme africain, avions-nous dit la fois dernière, Maître Magala. Effectivement, on l'a dit. Merci d'abord pour la question. Nous avons bien dit que la première richesse, c'est l'homme lui-même. Et l'homme doit se définir en termes de projection. Je crois que il y a deux semaines, en parlant de ça, on avait beaucoup insisté sur la vision que doit avoir un homme. Chacun doit se projeter par rapport à son avenir. Parce qu'il n'y a pas, on ne peut pas réaliser ce sur quoi on n'a pas rêvé. Le premier problème, donc, c'est au niveau de l'homme lui-même. L'homme, quand il se projette dans son avenir, comment se voit-il? Il doit avoir une vision, il doit avoir un rêve, il doit avoir des objectifs. Parce que c'est de la vision qu'on crée des objectifs, et ces objectifs, en cherchant à les atteindre, on crée toute une façon de vivre pour atteindre des objectifs prévus. Alors, c'est la somme de ces visions-là qui nous donne les objectifs de la société. Parce que d'un côté, l'homme doit être développé dans son entièreté, comme disait M. Labbé, on veut le développement de l'homme, de tout l'homme et de tous les hommes. Et de l'autre côté, ces hommes vivent dans une société, d'où le développement de l'homme complet nous donne aussi une société bien structurée. Donc c'est cette bivalence qui fait que les objectifs de l'homme en tant qu'entité qui se projette dans son avenir en donnant des objectifs, en développant une façon de vivre, ça va retomber sur la société qui du coup devient une somme de ses visions bien gérées et nous donne une société qui marche. L'homme doit se développer tous les hommes devraient se développer, c'est-à-dire ceux qui amassent sont des freins. C'est parmi ceux qui amassent des fortunes et des fortunes sont ceux qui sont en partie responsables de ce non-développement, ou bien c'est tout simplement par manque de vision. On ne sait pas ce que nous voulons. Oui, c'est la poule et l'œuf. En fait, ceux qui amassent sont les conséquences d'une société mal gérée, mais qui déjà eux-mêmes n'ont pas une vision globale ou globaliste de la société. C'est un problème de, comment on appelle ça, d'individualisme. Mmh. En fait, ils cherchent même à amasser l'argent sans savoir quoi en faire. Et c'est ça la difficulté. Pourquoi? Parce qu'on en arrive à confondre l'argent et le développement. Or, ça n'a rien à voir. Un homme peut être développé sans posséder de la liquidité. Pourquoi? Parce que un homme bien structuré, il a des objectifs. Et ces objectifs, il utilise des méthodes, des moyens légaux pour les atteindre. Mmh. Conséquence, on peut avoir des hommes très liquides, mais qui sont spirituellement et économiquement pauvres. Parce que les réflexes, un pauvre, il l'est d'abord par rapport à l'intérieur de lui-même. Et même si vous lui donnez 10 millions de dollars, il va rester pauvre. D'ailleurs, les jeux européens ici, bon, pas européens d'ailleurs, occidental, qu'on dit, on gagne des millions, les lotos. Mm-hmm. Il a été constaté, et les études sont là, que ceux qui gagnent au loto,
ils redeviennent pauvres moins de 3 ans après. Parce que d'abord, en gagnant, ils veulent se venger de la vie. Et vous verrez quelqu'un qui a gagné au loto, il s'est pavané dans les grands hôtels, dans des voitures hors de prix. Il ne sait pas investir. Il ne sait pas investir simplement parce que ça se prépare. Oui, parce qu'il n'a pas été formé pour ça. Il n'a pas été formé pour ça. Il n'a pas été éduqué. Éduqué pour ça. C'est un jouisseur. Mm-hmm. Il confond la liquidité et la richesse. Il y a des gens qui n'ont pas de liquide, notamment des bons entrepreneurs, mm-hmm. mais qui ont les idées. Ce sont les idées-là qui font que dans le futur, ils seront riches. Vous verrez même que dans le quotidien, on sait reconnaître les réflexes du pauvre. Quelqu'un comprendra au hasard, il a fini des études d'économie en 76 et depuis, il n'a plus lu un seul livre. Il est licencié en économie. Pour lui, il a fini d'étudier, il a fini d'apprendre et il se plaint de ne pas être recruté. Mais pour être... Déjà, deuxième problème, il veut être recruté chez l'État pour être à la douane, à l'OCC, c'est bien. Mais est-ce ça l'excellence? Non. Je crois que dans les objectifs de développement de l'homme, il ne devrait pas dépendre nécessairement d'abord de l'État. L'homme doit être productif en lui-même. Parce qu'un État où c'est le gouvernement qui est le principal employeur, est un État déficitaire. Ça ne peut pas marcher parce que la richesse est créée par des petites et moyennes entreprises. Oui. Et ils sont créés par des hommes qui ont une vision. Ce sont des entrepreneurs qui ont constaté des difficultés dans la société et ils décident d'y mettre fin en donnant des solutions, soit par un produit, soit par un service. Oui, mais maître, soyons concrets. Quand vous faisiez vos études de droit, allez, franchement, est-ce que vous vous prépariez à être un bon avocat plus tard? Soyons honnêtes. Vous-même, votre cas. Oui, je dirais oui parce que c'était une passion pour moi. Je dirais oui. Mais le problème maintenant, en les prenant à l'envers, mm-hmm. c'est de se demander, ok, quand on se retrouve au Congo, comme moi, garçon d'origine kivusienne, j'ai fait le droit pour être avocat. Je ne veux pas chercher à être avocat de la science nucléaire. Sinon, je travaille où? Je travaille avec qui dans mon Kivu natal? Mm-hmm. Je dois développer ma science par rapport aux réalités de là où je vis. Mm-hmm. C'est là que je dois donner une solution. Mm-hmm. Je ne peux pas... Donc, globalement, vous avez nos frères qui quittent le Congo, ils vont en France, ils vont en Belgique, ils vous rentrent avec un doctorat sur Molière. C'est bien. Mais c'est pour faire quoi après? C'est pour faire quoi? Parce que l'intellectuel, c'est celui qui donne des solutions à sa société. À sa société. Et on doit travailler par rapport à ça. On cherche à donner des solutions à sa société. Et alors, en retour, on gagne de l'argent. Et c'est cet état d'esprit-là qui fait la différence entre un homme déjà riche en lui-même, dans sa réflexion, un homme pauvre même s'il a de la liquidité. Vous savez, il y a le magnat ici, Bill Gates, qui disait, on lui demandait combien de milliards il souhaitait laisser à sa fille. Il dit, c'est tout ce que je ne peux pas faire, laisser de l'argent à ma fille, parce que si ma fille à moi, Bill Gates, si elle ne sait pas gagner de l'argent, elle est indigne d'être ma fille. Voilà, donc, on n'apprend pas aux enfants à étudier pour étudier. C'est à étudier pour des objectifs. Et ces objectifs-là doivent faire la différence sur le plan conceptuel de la richesse. Très bien. En fait, la société a une grande responsabilité parce que, nous le disons toujours,
un Congolais, un Africain, mis dans une société européenne, américaine, évolue d'une manière générale très bien que quand il revient au pays. C'est-à-dire que c'est la société qui le pousse vers le bas, parce qu'elle n'est pas suffisamment structurée, ou parce qu'elle n'est pas exigeante. Le problème part de la situation de nos sociétés qui ont été tronquées. C'est-à-dire que, je ne ferai pas le pleurnichard, mais quand on est colonisé, l'occidental a tout fait pour nous faire haïr notre culture. Pour nous faire... Ça c'est vrai. Oui. Pour que tout ce qui était notre richesse culturelle soit considéré comme sorcellerie, soit considéré comme bas, soit considéré comme recul. On en est arrivé notamment à détester nos langues, nos cultures. On dit, quand quelqu'un, vous êtes à Kinshasa, quelqu'un vient vous parler en Kikongo, dites à Otimboka. Et c'est parti de là. Donc, à un moment, les gens pensaient que être évolué, c'est parler français. Or, on peut très bien parler français. On peut même être docteur et rester ignorant. Parce que il y a déjà une grande différence entre l'intelligence et la culture. Donc, toutes choses restant égales par ailleurs, la difficulté de nos sociétés part de là. Tel que les Congolais qui vivent à l'extérieur, ceux qui acceptent de travailler dans une certaine mesure. Oui, c'est vrai. Parce que tous ne sont pas ce niveau, ce niveau-là. Il y en a qui ont décidé vraiment d'être... au bas de la pâquerette. Oui, ils se disent, chez nous, ça ne marche pas. Ils font tout ce qui est comme travail dégradant. Bon, il n'y a pas de travail dégradant, mais travail de seconde zone. Et ils estiment qu'ils ont atteint les objectifs. Parce que facilement, vous trouvez nos frères qui ont 5, 6 jobs. Il doit se réveiller à 4 heures, aller rentrer au lit à minuit parce qu'il doit travailler à 4 ou 5 endroits. Ce n'est pas normal. Ça, c'est continuer l'esclavage, l'esclavagisme. Donc, on doit vraiment pouvoir revenir à l'essentiel pour faire cette différence-là entre éducation, intelligence. Oui, je vous prends au mot. Effectivement, des gens qui en Europe travaillent à plusieurs endroits oublient même que ceux avec lesquels ils travaillent sont en train de faire attention à la pénibilité du travail. Eux s'enfoncent dans cette pénibilité pour vivre, afin que à Kinshasa, à Lubumbashi, à Bukavu, on puisse savoir que notre frère est là-bas. Oui, c'est ça. On a dit, c'est un problème de déstructuration de la société. Parce qu'on doit envoyer quelqu'un en Europe. Ici, on est prêt même à vendre la parcelle familiale pour qu'il aille en Europe. Arrivé là-bas, il est sous le joug. En fait, il doit rembourser cet investissement qui est mis en lui. Bon, si c'est un Congolais moyen, il fait quoi? Il fait comment pour rembourser? Parce que les niveaux de ses études, déjà, exclut d'une certaine... Et puis, la perméabilité de la société européenne, il reste africain, donc étranger. Marginal. Donc, il est marginalisé. Il y a des choses auxquelles il ne peut pas prétendre. Ensuite, si c'est un intellectuel, il doit en arriver à se vendre. Or, pour se vendre aujourd'hui, il faut être à la pointe de sa science. Il faut être le premier parmi plusieurs. Il faut être un primus, comme on dit. Parmi ses pairs, mais en tout cas, lui, on dit... Un primus inter pares. Voilà, il sort... De l'ordinaire. De l'ordinaire. Alors, on peut vous engager. Mais si vous êtes... Vous quittez ici avec votre diplôme de D6 ou votre diplôme d'État, sans aucune autre ambition que être en Europe, mais vous allez faire le travail manuel jusqu'à en mourir. Et vous le ferez vraiment
à des horaires inacceptables. Donc ça, c'est un problème de la conséquence, lié à la conséquence de la déstructuration de la société. Et nous devons rebâtir notre société, définir des objectifs de notre société. On ne peut pas rester là à voir la dégringolade de la société telle et, que... Et rester insensible. Oui. Parce que regardez, moi je n'ai jamais compris, et on en a souvent parlé ici. Bon, au Katanga il y a des mines, il y a du cuivre et tout ça. Mais je n'ai jamais compris pourquoi, bon, les Belges étant partis, nous n'avons pas fait en sorte qu'il y ait des écoles de mines pour exploiter. À Bukavu, on peut, on a des pommes de terre, on a, il n'y a pas d'école pour pérenniser, pour en fait changer la société dans l'abondance. Il n'y a pas seulement que l'absence d'école, même de formation. C'est-à-dire que nous nous contentons encore du brut. Oui. On dit on produit du cuivre. Oui, mais après, le cuivre en lui-même, c'est rien. C'est de la chaîne de valeur du cuivre qu'on a le développement. On dit, bon, que de ce cuivre-là, nous, on ne va pas exporter du cuivre brut, on va exporter les câbles d'électricité, par exemple. Là, il y a de la valeur ajoutée. Là, il y a un produit qui coûte déjà, qui emporte, qui crée du travail, qui crée... Même quand on parle de la pomme de terre au Kivu, mais on la vend comme elle est. Donc, du marché, oui, mais qui pense à faire des chips, qui pense à faire... De la purée, qui pense à faire tout ça, on ne veut pas ou on ne sait pas encore le faire. Et pourtant, il y a des bourses, enfin, même pas, même le gouvernement peut lui-même s'organiser pour que ses enfants puissent aller apprendre ailleurs comment se font les choses pour ajouter de la valeur, pour y mettre de la valeur ajoutée. Non seulement ailleurs, même ici. C'est-à-dire, il existe. C'est ça le problème du Congo. Tout est écrit, mais rien n'est fait. Nous avons tous les textes. Ici, il y a un PRONADEC, il y a un programme national pour le développement de l'entrepreneuriat, qui est décliné en trois points. La capacitation, l'accès au crédit et l'accès au marché. Ce sont les trois points de l'entrepreneuriat qu'on doit retenir. Ok. Capacitation, c'est-à-dire que les gens doivent être formés en permanence. Trouver le crédit, c'est là qu'on parle des banques, des associations et consorts. Il faut qu'il y ait un contrepoids de ces économiques qui nous permettent d'accéder au crédit. Et enfin, trouver les marchés. Mais ici, chez nous, vous verrez que déjà, les marchés sont quasiment pris par les étrangers. Voilà. En commençant par les banques, on va répéter les mêmes choses. Oui. C'est quand même curieux, Monsieur Makala. Mais nous imitons mal. Pourquoi n'imitons-nous pas les autres étrangers qui sont venus? Parce que eux, ils ont compris. Bon, ils ont des banques qui nous aident. Mais est-ce que nous n'avons pas compris ou quoi? Sans banque congolaise. qui serait en mesure de donner un taux quand même acceptable. Parce que si vous arrivez à... Vous voulez faire une entreprise et puis on vous dit 18%, on commence, vous le disiez la fois dernière, déjà le mois prochain à vous prendre des intérêts, c'est grave. C'est grave et c'est même curieux pour un pays comme le Congo. Parce qu'au Congo, nous avons des banques nigérianes, nous avons des banques gabonaises, sud-africaines, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème d'incapacité continentale. Et nous avons des intellectuels. Oui, donc c'est... Enfin, on a des diplômés surtout. Pardon. On a des diplômés surtout, mais le problème reste là. Quand bien même on serait capacité. Vous savez, même les recours aux instruments d'investissement qui existent, les Congolais n'y vont pas. Mm-hmm. Vous verrez que
les détenteurs de tous les projets, genre hôpitaux, supermarchés, ils font recours à l'ANAPI pour bénéficier des avantages du code des investissements. Et nous, les Congolais, non. Vous ne verrez pas... Non, je crois que l'information ne passe pas. Et pourtant, nous, ça fait longtemps que nous en parlons. Non, l'information passe, mais c'est la mentalité. C'est-à-dire que le Congolais, il ne veut pas aller lui-même faire la démarche. Il faut qu'on le prenne. Oui, ou il demande à quelqu'un qui dit... Vous savez que même pour avoir son passeport aux affaires étrangères, les gens n'y vont pas. Ah. Ils envoient quelqu'un qui connaît quelqu'un et finalement... Le passeport va coûter 200-300 dollars parce qu'il n'est pas allé. La même chose quand on dit, bon, allez à l'ANAPI. Ah, il veut envoyer quelqu'un alors que c'est à sa disposition. C'est ça le problème. On lui dit, la formation c'est à l'ANADEC. Il ne veut pas y aller, il veut demander à quelqu'un qui a été. C'est compliqué. Qu'on s'engage pour aller. On a même on lance des offres de marché. Et puis, les gens ne postulent pas. Parce qu'ils se disent, Nga bokozo angate. Déjà défaitiste. Déjà défaitiste, il dit, biso bazoaka, biso te toza bate ke umbute. Eza mboka na bango. Aujourd'hui, vous avez des gens qui peuvent dire, ils ne vont pas postuler pour un marché parce que eza moulou bate. Et puis, Mikolo, eza. Mais est-ce que tu as essayé au moins? Non, il n'a pas été. Et ça, ça freine l'entrepreneuriat. Parce que on ne peut se développer que par l'entrepreneuriat. L'État employeur ne développe pas un pays. L'État, il est limité à aujourd'hui, on a 20 sociétés de l'État. Donc, et les sociétés d'État et les sociétés dans... mixte, on n'a que 120. Oui. Après, les PME reconnues, il n'y en a que 600 000. Bon, avec 600 000 PME pour 100 millions d'habitants, on est inexistant sur l'échelle de l'investissement. Or, quand on n'investit pas dans l'entrepreneuriat, ça ne peut pas marcher. C'est l'entrepreneuriat qui crée des petites et moyennes entreprises qui utilisent de la main-d'œuvre locale. C'est pour ça qu'on revient au problème de la formation. Je prendrai même un autre exemple. On a un projet à devenir, le Grand Inga, par exemple. Bon, ou les ports en eau profonde de Banane. Oui. Ce sont des projets immenses qui vont demander une main-d'œuvre immense, importante, et des services colossaux. Mais quand vous demandez aujourd'hui, même à nos PME, combien se préparent pour ces défis-là? Très peu. Combien se préparent déjà comme ingénieurs, comme architectes, comme tous ceux qui font maçons, aides-maçons, qui font ce travail-là? Combien préparent? Vous savez, dans une émission, je disais à la personne qui était devant moi que lors de la zaïrianisation, on était surpris à Lubumbashi de trouver que les biscuits que nous mangeons étaient faits dans les fermes autour de Lubumbashi. Vous vous rendez compte? Et ces fermes-là ont été mises à la disposition des Congolais, elles n'existent plus, les routes pour y amener, tout est tombé à l'eau, parce que entreprendre, c'est très compliqué. C'est une notion compliquée quand les gens ont été mal formés ou n'ont pas été formés du tout. C'est-à-dire que quand vous avez une grande entreprise comme Gécamines, tout autour de Gécamines, il y a ces sous-traitants. Il y a les sous-traitants qui pour amener de l'eau, qui pour amener de l'huile, qui pour amener les véhicules, qui pour amener... Le poisson. Alors, tout ce monde-là crée, je ne sais pas, toute une vie
toute une vie économique autour de la Gécamines, telle que la richesse ne provient plus seulement de Gécamines et de ses sous-traitants. Et c'est ça qui devrait être notre vision. Il faut qu'autour des grandes entreprises, une grande cimenterie, il y ait toute cette vie-là. Au lieu que vous dites, on va mettre ici une brasserie, et puis tous les sous-traitants de la brasserie viennent du pays d'origine de la brasserie. Ça ne marche pas comme ça. On a des exemples comme ça, où les Chinois viennent faire une route, et ils viennent avec toute la main-d'œuvre. Non. Et nous, comment on va bénéficier de... Ça devrait être réglementé, tout ça. Oui. À la signature. C'est réglementé, mais vous connaissez comment nous agissons. Les Congolais se font prêter nom des étrangers pour gagner 200 dollars. 200 dollars, et puis ce sont finalement des PME étrangères. Eux ne sont que prêter nom. Et ça pose des problèmes. Il y a ça, il y a aussi le problème de prise des risques ou même de prise de responsabilité. Vous savez, quand vous avez un grand marché comme Inga, tantôt je parlais de Inga, et qu'on dit ok, les sous-traitants sont des sociétés PME congolaises, on dit voilà, on a besoin de 1000 camions pour travailler sur le projet Inga. Si on fait un appel d'offres, si aucune PME ne va réunir 1000 camions. Et si vous dites à nos frères qui sont dans ce secteur-là, réunissez-vous en groupement d'entreprises, en groupement économique ponctuel pour répondre à ces marchés. Qui a 20 camions, celui qui a 10 camions, qu'on atteigne les 1000 pour répondre à l'appel d'offres. Ils ne vont pas vouloir parce qu'ils te disent comment moi, j'ai déjà mes 50 camions, je serai derrière Kibambi. Jamais. Chacun veut être PDG. Vous êtes PDG chez vous, mais pour ces marchés-là, mettez-vous ensemble. Réfléchissons pour gagner le marché. Non. Et comme il n'y aura pas d'offres congolaises, on va prendre à l'étranger. Je vais donner l'exemple, il ne m'a jamais autorisé d'en parler, mais je vais en parler. Vous savez, j'ai un jeune frère avec lequel, enfin, un grec, ami, on a vécu ensemble à Likassi, mais qui est parvenu à faire des avions. Mais il me raconte son début. Il va à la chasse avec un grand patron de la Gécamines qui devait prendre sa retraite. Il va à la chasse et tout ça. Il voulait amener des trophées chez lui. Et il arrive à tuer un éléphant. En fait, c'est lui qui est derrière qui a tué. Et lui a cru qu'il a tué. Et puis, le type est content et tout ça. Il lui donne sa carte. Il dit... Venez à la Gécamines, présenter cette carte. Alors il dit, mais tu sais, il est déjà de ville comme moi. Hein. Bon, nous déjà d'eau, habillés à peu près correctement. Enfin, j'arrive là-bas, je donne la carte à la secrétaire. La secrétaire me regarde et me dit, mais vous voulez voir? Je me suis dit, oui. Et le monsieur... Enfin, la société va montrer. Elle dit, non, faites-le entrer. Et vous savez ce qui arrive? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous allez commencer à offrir des services à la Gécamines. Allez voir M. Tel, on va voir M. Tel. Elle lui dit, voilà, vous savez, cette montagne de scories, là, cette montagne de... Je voudrais, non, pas des scories, cette montagne de... vous prenez ça, de sable, vous déplacez ça. Il trouve une grande montagne. Il se dit, on me demande, si je déplace ça, après 3 mois, je serai payé. Il fait rapidement avec 2 camions, et puis il se dit, mais... Ah oui, après, il déplace. Et puis, il est payé. Ah bon, très bien. On lui donne un travail beaucoup plus grand. Il achète à crédit des camions. Et les gens sont surpris que c'est un travail qui devait être fait en 8 mois. En 3 mois, le type est terminé.
Et voilà comment il est monté. Il s'appelle Stavros. Voilà. Eh bien, nous, on aurait refusé d'aider notre frère pour avoir plusieurs camions et avoir beaucoup d'argent et peut-être plus tard avoir plusieurs avions. Enfin, c'est un détail. C'est quand même des mentalités bizarres. Hein? Oui, tellement bizarres qu'on en tomberait raide. Parce que, surtout à une époque comme celle-ci, vous savez, les dernières études sur Inga 3 doivent dater d'une quinzaine d'années. Et c'est un projet qu'on a relancé. Mm-hmm. Mais il faut d'autres études. Déjà, celles-là, à mon sens, se sont dépassées. Parce Absolument. Que quand on avait fait ces études-là, on ne parlait pas encore de minerais critiques. Vous savez qu'une grande partie de notre énergie va vers l'Est où il y a beaucoup de minerais. On ne parlait pas encore de minerais critiques, les lithium, les coltans et tout ça. Or, ils sont critiques justement parce qu'ils interviennent dans la transition écologique et énergétique. Donc, c'est le moment de les exploiter. Aujourd'hui, donc, les priorités de Inga 3, si ça doit fonctionner, changeraient par rapport aux minerais critiques. Oui, et même aux énergies vertes. Voilà. Mais qui en parle aujourd'hui? Donc, on risque d'en arriver à la même situation qu'avec les hydrocarbures. On a annulé les appels d'offres. Mais est-ce qu'on dispose des études sérieuses sur les blocs? À part études sérieuses, j'entends, est-ce qu'on dispose de la quantité exacte des gisements qu'il y a? Et pour ça, il faut de la recherche, il faut des études. On pense qu'on doit être sérieux dans le comportement de l'État. C'est-à-dire que quand je dis, voilà, je donne tel bloc, oui, quelles sont les spécificités d'abord? Vous dites, il prend de là, la circonférence ou le volume total, et on peut disposer d'autant de réserves. Les gens savent à quoi ils s'engagent. Mm-hmm. Mais quand on vous dit que les appels d'offres n'ont pas été fructueux, c'est qu'il y a eu un problème par rapport à l'offre elle-même. Et d'ailleurs, souvent, on demande à ceux qui viennent de faire eux-mêmes des études en ce moment-là, nous-mêmes, nous n'en connaissons pas la quantité, et quand ils exploitent, c'est nous qui en souffrons. Ah, voilà le choix de la pauvreté, vous l'avez dit vraiment, dans la simplicité de la réalité. C'est ça, c'est-à-dire, vous demandez à quelqu'un, vous dites, voilà, j'ai tel, je dirais, richesse à exploiter. Mais vous-même, vous, le propriétaire, vous n'en connaissez rien. C'est-à-dire, vous n'avez aucun détail sur ce dont vous disposez. Il y a mm-hmm. un problème sérieux. Nous devons transformer ici et vendre les produits finis, ou tout au moins semi-finis. Oui. Ça crée de l'emploi, ça crée des richesses. Mais si on continue à agir comme on le fait maintenant, ça ne marchera jamais. Donc, on a perdu 2 ans avec cette histoire d'appel d'offres. Et bon, on est en train d'aller vers quoi? On va relancer les mêmes offres. Est-ce que cette fois, elles seront détaillées? C'est encore une question. Mais il n'y a pas que ces domaines-là. Les domaines de l'environnement, quand on en parle, ben on est un pays solution. Mais combien est-ce qu'on a déjà reçu ne fût-ce que quelque chose? Alors, le raccourci, on commence à dire non, il faut qu'on voit clair avec la ministre. Est-ce que... On n'est même pas là. C'est-à-dire que la ministre, elle ne fait qu'exécuter mais bien programme. Entendu, la politique du gouvernement. Oui, c'est-à-dire qu'elle exécute un programme. C'est vrai qu'elle peut faire un effort pour être au-dessus du lot et dire, voilà, je propose. Mais ce n'est pas des projets individuels. Ce sont des projets de l'État qui doivent être coulés en des textes appartenant à l'État, c'est-à-dire nous ferons ceci sur les 20 années qui viennent. Quand vous voyez les autres se développer, ils vous diront facilement que, bon voilà, là nous sommes sur les projets 2050, parce que nous pensons que
cette ville, on est à 17 millions aujourd'hui, en 2050 on risque d'être à 22 millions, il faut déjà prévoir où ils vivront tous ces gens-là. Et on a commencé à travailler. Nous, on est surpris. Nous sommes surpris par, par l'éclosion des villes. On s'est dit, tiens, on se marche sur les pieds. Ah bon? Donc, l'État suit au lieu de précéder. Donc, maintenant, on est en train de casser, on est en train. Oui, mais il fallait d'abord lotir là-bas. Mm-hmm. Il fallait y penser avant. L'État doit projeter. L'État doit voir. Même quand j'aime bien l'expression en vogue aujourd'hui, on dit la vision du chef de l'État. Je dis, c'est très bien la vision du chef de l'État. Mais la vision du chef de l'État a déjà été coulée en programme. Oui, mais ce programme s'arrête où et quand? On n'est pas obligé d'avoir un programme qui s'arrête à la législature. Un programme ne peut pas s'arrêter aux 5 ans de gestion d'un président. J'ai toujours aimé donner l'exemple du Louvre. Penser, je crois, sous Destin, oui. Et commencer sous Mitterrand, et poursuivi sous Chirac, inauguré par, je ne sais pas moi, Sarkozy. Ça, c'est un projet de l'État. Mais il ne faut pas dire, bon, ça c'était un projet de, tu sais qu'il dit, comme on prend. Et puis il y en a qui disent, pourquoi tu sais qu'il dit, fais un programme qui va aller au-delà de son mandat. Oui, mais c'est normal, non? C'est normal, là. C'est une vision qui a été traduite. Une vision qui s'arrête à 5 ans, ce n'est pas une vision. C'est. On doit pouvoir trouver. Pourquoi aujourd'hui on continue à parler de Lumumba? C'est-à-dire, il a inculqué quelque chose. Quand on dit Mobutu, ok. Tout le monde, quand vous dites Mobutu, tout le monde pense unité nationale, directement. Fierté. Ou, bon, peut-être que ça aurait été des projets économiques, on serait plus avancé. Mais bon, il y a cette vision-là, cette façon de faire qui dépend de l'homme qu'on a forgé. Tout à fait. Si on forge des hommes qui font les mimétismes, qui investissent parce que l'autre a fait, ça ne peut pas marcher. Il nous faut. J'ai pris l'autre fois un exemple de la musique. Vous savez, notre musique, elle est belle comme elle est. Mais si vous prenez un étranger, pas vous le mettez dans un concert, un étranger, un moscovite, un russe, vous le mettez dans un concert des Aïko, il aura l'impression qu'on joue une seule chanson. Pourquoi? Parce qu'on va faire une rumba et puis on dit vimba, vimba sur toutes les chansons. Mm-hmm. Pour lui, c'est une seule chanson. Après, s'il écoute quelqu'un d'autre sur la musique congolaise, il sera dégoûté. Pourquoi? Parce que quand il demande tel qu'on a dit Kibambi Chito, ça veut dire quoi? Il dit c'est le nom d'une personne. Et Magala dit c'est le nom d'une personne. Mais pourquoi il y a autant de noms? Non. On cite les noms des gens parce qu'on ne sait pas vendre la musique. Alors on cite les noms des gens qui payent cash pour être cité. Bon, et c'est quelle façon de faire la musique où on est parmi les plus grands producteurs de musique en Afrique, mais on est obligé de faire. On appelle ça les matolos, c'est-à-dire les flatteurs. Pour que ceux qui sont chantés donnent un peu d'argent et qu'il sait que même la musique, elle est mal faite. À la décharge de Kofi, je ne lui ai jamais rien donné. Hein. Il appréciait mon travail et il me chantait. Oui, mais c'est vrai, il y a l'amitié aussi qui existe, c'est tout ça existe. Mais aussi ceux qui vendent. Mmh. Aujourd'hui, il y a des tarifs pour ça. Vous pouvez aller, on vous dit, bon, pour que. Bois caillot, il faut 10 000 euros. Bon. Et tu verras quelqu'un sortir 10 000 euros pour qu'on dise Magala Oza Danje. Bon. Et le lendemain, il ne sait pas quoi manger. Ou il n'a pas une autre source de survie. Il se bat pour avoir 10 000 euros à remettre à quelqu'un. Pour paraître. Pour paraître. Parce que quelqu'un, un vrai, qui a l'argent, vous ne le verrez jamais dans ces histoires-là. Mais lui, il veut. Et bon. C'est tout ça la bizarrerie de notre vie qui prouve qu'on fait très peu d'efforts pour se développer. Parce que quelqu'un
une des cultures des gens qui se développent, c'est d'abord, ils se forment sur l'avenir, en permanence. Je vous ai vu continuer à lire jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous dire, j'arrête de lire, j'ai déjà fait mon nom. Impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que même à 80 ans, même à 90 ans, vous continuerez à lire. Comme disait votre ami là qui faisait bouillon de culture. Oui. Bon, c'est ça. C'est-à-dire que Pivot, sa vie vient de ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas. Lui, il lit pour eux. Oui. Et quand il rend ce qu'il a lu, il vous donne envie de lire. Et vous descendez, comme le bibliothèque, vous descendez acheter le livre sur lequel il faisait de commentaires et vous commencez à lire. C'était un grand bouillon de culture. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Dites-moi, dans cette ville, si on peut citer deux ou trois librairies, c'est difficile. Mais non, mais je l'ai écrit dans mon X. Où est-ce qu'on vend les livres? Bah, il y a la bibliothèque du Kivu, je sais pas. Mais s'il y en a une ou deux, vraiment, c'est exceptionnel. Pourquoi? D'ailleurs, vous trouverez très peu de gens enclins à acheter des livres. Ils lisent pas, les gens ne lisent pas. Ils laissent le monde aller tel qu'il est. Je suivais le débat aux États-Unis parce que nous, on aime beaucoup ce qui est fait à l'étranger. Vous verrez que dans le plan de l'ancien président américain, Grand Trump, c'est de supprimer le ministère de l'Éducation nationale au niveau de l'État fédéral et de les renvoyer aux États fédérés pour qu'ils éduquent par rapport aux réalités locales, par rapport aux réalités de chaque État. Donc, il est contre la façon de faire des démocrates qui veulent laisser... Parce qu'eux disent, bon, il faut laisser les enfants aller aux toilettes qu'ils veulent par rapport à leur définition, soit de la masculinité ou de la féminité. C'est quelle façon de faire les choses? Et vous auriez souhaité que l'on décentralise, ça se traduirait comment? Parce que vous avez donné l'exemple au Congo, laisser l'éducation aux provinces, c'est ce que nous disions tout à l'heure. C'est déjà fait. Dans les textes, l'éducation, ça doit être géré au niveau des entités décentralisées. Pourquoi? C'est important parce que on a des objectifs à atteindre par rapport à l'entité. Et donc, on éduque en conséquence. Vous savez, quand vous prenez un truc comme PDL 145 territoires, c'est quand les Chinois arrivent, ils se rendent compte qu'ils ne savent pas communiquer avec les locaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un effort pour apprendre la langue du coin. Et ça passe difficilement au début, mais après, il y a des coins où il y a blocage, parce que il y en a qui se disent, bon, ok, ces gens viennent ici, ils commencent parce qu'au début, ils parlent chinois, mandarin, personne ne comprend. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été préparés à ça. Mais est-ce que nous avons mis à niveau nos PME au niveau local pour qu'ils puissent échanger avec ceux qui viennent? Si un projet comme ça arrive dans une entité et que il n'y a aucune PME qui travaille avec ceux qui viennent... Ils feront n'importe quoi. Non seulement on fera n'importe quoi, on ne saura pas suivre. Et puis, vous savez, la route là de Bukavu ou Vira, il y a des endroits qui sont déjà entamés alors qu'on est encore en chantier. J'ai vu ça. Pourquoi? Parce que la qualité n'est pas scellée là. Il faut associer les PME congolaises. Et comment ça doit se faire? Elles doivent être préparées. Elles doivent être préparées, c'est-à-dire elles doivent être capacitées. Oui. Et notre problème, c'est que tout l'argent n'arrive pas dans les coins qui devaient se prendre en charge. C'est ça toute la difficulté. Ou ils ne prennent pas à la source parce que c'est interdit. Et il y a blocage. Et il y a blocage parce que c'est extraordinaire.
Parce que quand vous donnez ce marché, un marché comme ça, c'est quoi, plus de je crois. La paperasse de PNUD pour que vous qu'on sorte 5 000 $ peut prendre 3 mois. Or, les 145 territoires sont une réponse au non-fonctionnement de la caisse de péréquation. C'est parce que la caisse de péréquation ne fonctionne pas qu'on en est arrivé à ça. Mais pourquoi elle ne fonctionne pas? Parce qu'il y a des gourmandises quelque part, depuis toujours, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, pour qu'on ne me dise pas que je... Ben, c'est vrai. C'est vrai, parce que ça ne serait pas des investissements ponctuels. C'est, au moins ça serait investir pour l'avenir et investir en permanence et faire en permanence, parce que c'est une péréquation qui est amenée à accompagner notre vision de la décentralisation. Mais on fait autre chose. Donc, on n'a pas un problème de texte. On a un problème d'application des textes. C'est ça notre plus grand problème. Qu'est-ce que vous voulez dire? Enfin, je vous arrête là. Non, non, j'ai dit ce que je voulais dire. Oui, oui. On n'applique pas les textes qu'on a, comme celui de la péréquation. Pourquoi on ne l'applique pas? Parce qu'il est là. Comme celui de la décentralisation. Mm-hmm. Pourquoi on ne l'applique pas? Il est là. Il y a des très belles lois là-dessus. Vous avez même la capacité de faire de la coopération décentralisée pour que cette entité qui est chez nous puisse faire avec l'entité qui est au Gabon, puisse faire avec une commune française ou une commune camerounaise. Mais mon cher ami, mais vous avez complètement raison. Qu'il manque de la farine au Katanga alors que la Zambie est déjà en pleine sécheresse. Nous voulons... Non, mais ça, c'est quoi, ça? C'est un grand problème. Ça, au moins, on peut appliquer demain. Prendre à la source. Non, les textes ne sont pas, jusque-là, ne sont pas appliqués. Et ça pose problème à tous les niveaux. À tous les niveaux, ça pose problème. Même au niveau de petites et moyennes entreprises, comme je dis, j'ai toujours été un grand défenseur des petites et moyennes entreprises. Et vous avez raison. Les textes ne sont pas appliqués. Tels que nous avons de la richesse. Les gens ont comme l'impression que quand on dit RDC, on voit les mines et la musique. Non, malheureusement. Il y a autre chose. Il y a autre chose. On doit quitter le carcan dans lequel... vous savez, le colonisateur nous avait amené à ne pas aimer notre culture, finalement, et à faire ce que lui voulait par rapport à ses intérêts. À ses intérêts, à lui. Parce que si le colonisateur nous a appris le français, c'était pour nous formater et obéir à... ses objectifs. Ses objectifs. Et on n'a pas, il n'y a pas eu rupture. Il n'y a pas eu rupture. Il y en a qui, aujourd'hui, les gens ont encore cette idée-là. Oui, très bien. Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait, mais au Moni Kibambi, Alata Ressusu, Azaisusu Nabilambate, Alata Karaelamba Moko, alors que je voulais que cet habit personnalise les émissions que je fais. Et puis, Kibambi. Pour moi, une veste, j'en ai porté combien? Et pourquoi on critique ça au lieu de critiquer le contenu de l'émission? C'est quand même quelque chose. Vous voyez, le problème, c'est de se présenter propre. Tout le reste, là, c'est du tralala, parce que l'essentiel, c'est ce que vous dites, pas votre apparence. Ça aurait été à la radio, l'émission passerait. Mais alors, ça changerait quoi? Donc c'est ça, la acculturation. Nous sommes dans... Vraiment, toujours dans ce piège-là de la colonisation. Oh, moi, j'ai toujours dit, ce qu'on demande à nos filles qui vont à l'école, ce qu'on demande à nos filles qui se baladent dans les rues, c'est d'être propre. On ne leur demande pas d'être bien sapées. Une fille est propre, bien habillée, pas richement, pas nécessairement richement habillée. Pourquoi vous habillez richement? Ça ne sert à rien. Parce que même si nous imitions les Blancs, quand vous allez dans une université européenne, vous verrez quoi? Vous verrez des garçons, des filles en jeans. Pourquoi chez nous, nos filles qui sont à l'université veulent être trop bien habillées? Pourquoi nous, on copie mal, quoi? Là, on ne copie pas, on est dans la bêtise. C'est ce problème d'apparence
qui a comme source le déni de sa personne d'abord, ensuite le souci du paraître. Le déni de sa personne, déjà, il découle du fait que on n'aime pas quand on se mire la personne qu'on est. Et finalement, quand on a des extensions des cheveux, on a les cils, comment on appelle ça? Bon, je ne connais pas. Oui. On a les ongles, oui, on a, finalement, on a même les ah oui, bon. C'est grave, hein? Et puis, la personne, vous risquez d'épouser une fille qui était quelqu'un d'autre. Et quand vous la découvrez le matin, vous trouvez que c'est quelqu'un d'autre. Parce que... À ce moment-là, c'est le divorce. Hein? Oui, il y a eu déni de la personne. Il y a problème sur la qualité. Donc, il y a eu tromperie sur... Oui, sur la qualité. En fait, celles qui le font, ce sont souvent les filles de joie. Hein? Ce n'est pas une fille qui va se marier. Qui va... Non, aujourd'hui, c'est même les... Vous pouvez tomber amoureuse de celle-là. Même les mamans de famille le font. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est descendu même plus bas. Vous trouverez des filles, des jeunes filles de 13 ans, 14 ans, qui sont déjà dans les extensions, qui sont dans les bébelles. Donc, il y a un déni de sa personne. Or, nous devons être fiers de nous. Quelqu'un qui n'est pas fier de sa personne, comment voulez-vous qu'il la valorise? C'est difficile. On doit rentrer sur tout ça et réfléchir sur un modèle de développement. Un modèle de développement, comment je dirais, interne, imprimé à nous. Parce que vous savez, quand vous êtes... comment je dirais, dans notre culture, quand je dis je suis à Likasi, on discute, je dis Wafouak. Le Wafouak là a tout son sens par rapport aux circonstances dans lesquelles ça a été dit. Si c'était pour remercier, si c'était pour le deuil. Si c'était... Alors, quel est le mot français qui traduit Wafouak? Il n'y en a pas. Et il y a en Mach, vous pouvez trouver des mots comme Kirisa, à Lingala, vous allez trouver des mots. Il y en a tout plein. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont en nous, mais qu'on ne sait pas traduire. Et ce sont ces mots-là qui font ce que nous sommes. Et nous avons finalement pris de la distance par rapport à cela. Et donc. Nous sommes des autres. Nous sommes les autres et mal et autres. Nous sommes des autres et mal autres. C'est-à-dire oui, que... On copie mal. Voilà. C'est... Nous sommes des copies pâles. Même pas au premier degré de la copie. Parce que un Belge qui viendrait aujourd'hui, qui essaierait de faire le Kisanga, n'y arriverait pas. C'est parce que seulement un vrai Moussanga dira ça n'a rien à voir avec nous. Il essaie le match. Et c'est comme nous avec l'Occident. On peut faire bien, mais jusqu'à un certain niveau. Ils disent non, c'est bien, mais ça reste un Congolais. Monsieur Justin Magala, nous avons terminé. C'est un sujet qu'on ne finira finalement jamais. Parce qu'il faut qu'un jour on se développe. Il faut que toutes ces idées entrent dans le chef de nos téléspectateurs pour déclencher le véritable développement. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en remerciant monsieur Justin Magala et notre ami l'abbé qui n'est pas avec nous parce qu'il a été appelé ailleurs, que je voudrais vous dire au revoir et merci de nous avoir suivis.